Saint-Guilhem-le-Désert, un magnifique village de quelques 900 habitants, 30 km à l'ouest de Montpellier, dans la vallée de l'Hérault. Ici, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, certains pèlerins viennent se recueillir devant une relique de la croix, don de Charlemagne, conservée dans l'abbaye de Gélonne. D'autres poursuivent cet itinéraire pour tenter de trouver la paix intérieure. Quand il s'agit de connaître l'état d'esprit du pèlerin, autant s'adresser au bon Dieu, ou plutôt au Carmel de Saint-Guilhem, où vit une poignée de religieuses, dont sœur Nathalie. Ah ah, c'est vous le James Bond de l'hélicoptère là qui fait un raffut pas possible? Vous avez fait vœu de vivre dans le calme et la sérénité, ouais. C'est ça? Non, pas du tout. J'ai fait vœu de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Il va falloir que je révise mes classiques, voilà, en matière de... Il faut réviser vos classiques. Bon, excusez-moi, je continue à travailler quand même. Vous êtes sœur Nathalie, c'est ça? Oui, sœur Nathalie. C'est Emmanuel, moi. Enchanté. Alors, à quoi ça ressemble, la vie, ici? Oula, à quoi ça ressemble? Oula, c'est un programme? Ça ressemble à... C'est normal, quoi. C'est la vie normale. On s'imagine toujours que la vie spirituelle, c'est extraordinaire, c'est la vie quotidienne. C'est trouver le petit bon Dieu dans un caillou, dans un pétale de rose, dans les haricots de Robert. Apprendre à regarder différemment. Ah, ça m'intéresse, ça. Ah surtout bon. En tant que photographe. Pourquoi? Et on regarde comment, alors, pour Mais on regarde avec des yeux d'enfant. De par exemple, il y a George à sa fenêtre, là-bas. Hello, George! Coucou, George. Bonjour, George. Alors... Et l'histoire du lieu, elle compte aussi le fait qu'il y ait 1200 ans de vie religieuse avant, ça donne un poids supplémentaire? Ah oui, c'est évident. C'est évident. Enfin, moi, je l'ai senti, vous savez que moi, je voulais pas du tout être sœur. D'ailleurs, vous seriez venue 15 ans plus tôt, je pense que je serais pas rentrée. C'est vrai. et c'est en venant à Saint-Guilhem pour la première fois que ce lieu m'a attirée. Je suis arrivée dans le bas du village, je suis arrivée dans l'abbatiale, et là, il s'est passé quelque chose dans le lieu même. Une révélation, c'est ça? Une révélation. Vous imaginez Jésus qui arrive comme un Tarzan, me voilà, toi Nathalie, moi Jésus. Non, pas du tout. C'est quelque chose d'assez indicible, qu'on ne comprend pas, une alchimie très étrange qui fait que tout d'un coup, on se sent bien, bien. Donc alors, tu vois, imagine le pèlerin. Ouais. Il arrivait, il avait bu là, la source pure. Voilà, le Seigneur étant ta source, hein. Je ne sais pas si tu as compris. C'est une métaphore. La source de vie. Bon. Donc il montait ici. Comment alors tu vois, hop, là, imagine-le là, saisi par ce grand chevet monumental, avec la croix au-dessus qui lui indique qu'il est sur le bon chemin. Et donc l'abbatiale est devenue très vite le pèlerinage. Au départ, pas du tout pour Saint-Jacques, hein. Mais pour les reliques de la croix et de Saint-Guilhem. Qui sont à l'intérieur, effectivement. Voilà. Ouais. Donc ils arrivaient là, ils franchissaient cette porte, ils se sentaient déjà en terre sacrée. Tu vois, parce qu'ils ne pouvaient pas aller à Jérusalem, il n'y avait pas d'avion, tout ça, tu vois. Donc ils venaient vénérer la croix de Jésus. Aujourd'hui, quand on n'a plus de religiosité, elle va s'exprimer justement dans ce temps que je prends pour marcher, pour dormir mal, manger mal. Enfin, je dis manger mal, parce que vous imaginez, quand vous êtes pèlerin... On peut pas cuisiner. On dort dans un dortoir avec des gens qui ronflent. Enfin, il y a une promiscuité. Bon, rigolez pas. Bah non, mais ça... Mais ça, c'est vrai que les chaussures et tout. D'ailleurs, souvent, quand on les reçoit, il faut que je me dépêche parce qu'ils vont arriver. Souvent, il y a une sœur qui me dit « Ah, t'as eu des pèlerins aujourd'hui !» Parce que rien qu'à l'odeur, il y a eu des pèlerins aujourd'hui. Bon, je vous laisse, hein, parce que... Bon accueil. Quelle énergie, hein. Un bel exemple. Les pèlerins n'auraient jamais pu accéder à Saint-Guilhem sans la construction du pont.
Vu du ciel, on comprend en longeant les gorges de l'Hérault ce qui peut advenir lors des crues violentes, où la végétation et certains ponts sont parfois littéralement arrachés par les eaux. Or, depuis des centaines d'années, un seul pont a résisté aux colères du fleuve, le pont du Diable. C'est Guillaume d'Orange qui a fait construire ce chef-d'œuvre de l'art roman, aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une jeune femme attire mon attention. C'est Aude-Lise. On m'a toujours dit qu'il fallait pas jeter des cailloux depuis les ponts. Oui, mais ici, on est sur le pont du Diable. Ça vient d'où, ce nom? Il y a une histoire, j'imagine. Oui, c'est une légende. Lorsque les travaux de construction démarrent ici, toutes les nuits, systématiquement, le travail accompli pendant la journée est détruit. On s'inquiète, on s'interroge. Détruit par le Diable, en l'occurrence. Oui, mais ça, on le sait pas. Mm-hmm. C'est Guillaume qui le découvre. Il réalise que c'est le Diable... Lui-même qui s'évertue à détruire l'ouvrage. Il lui propose un pacte dans lequel c'est le Diable qui doit construire le pont, très résistant et en 3 jours seulement. Guillaume, lui, s'engage à lui offrir en échange l'âme d'une créature, la première qui franchira le pont. Alors, je connais pas la légende, mais j'imagine évidemment que le Diable, il a réussi. Le Diable a bel et bien réussi à construire ce pont. En guise de récompense, Guillaume va lui envoyer un chien. Mmh. Vous imaginez la colère du Diable qui, nous dit-on, tente de détruire cet ouvrage, n'y parvient pas et par dépit se jette dans les gorges de l'Hérault, juste en bas. C'est d'ailleurs pour cela qu'au Moyen-Âge, les pèlerins qui franchissaient ce pont jetaient toujours quelques cailloux par-dessus celui-ci, que le Diable reste bien au fond. Je peux essayer, moi? Allez. Pour une fois qu'on m'autorise à acheter des cailloux sur un pont. Mais j'ai essayé quand même. Il n'est pas remonté en tout cas. Tant mieux. Le Diable. Hein. Oh, regarde le joli galet. Qui a été poli par le temps, oui, le et temps. Par l'eau. C'est un cadeau? C'est un cadeau. Ce sera mon souvenir. Un petit souvenir, oui, de la vallée de l'Hérault. Bon, ce fameux Guillaume qui a donné son nom au village, c'était qui ce personnage? Tu connais Charlemagne? Ouais. Eh bien, c'est son cousin Germain. D'accord, filiation très proche donc. Très très proche, oui, en effet. Même époque? Même époque, puisqu'il a vu le jour en 750. Alors toi qui connais bien la région, parce que ça fait des années que ta famille, des générations que ta famille est implantée ici, on dit qu'il y a des trésors dans la région, c'est vrai ça? Partout. Partout, moi je cherche le mien. C'est quoi? Je ne l'ai pas encore trouvé, mais je le cherche depuis que je suis toute petite. Moi, je suis à la recherche de Joyeuse. Qui est Joyeuse? Que je ne connais Joyeuse, pas. Joyeuse, c'est une épée, c'est l'épée de Guillaume. Dans la légende, les troubadours nous disent que Charlemagne offre à Guillaume une épée au pouvoir quasi magique, qui ont permis à Guillaume d'être bien souvent victorieux. Et moi, dans mon imaginaire d'enfant, j'ai toujours pensé que Guillaume, en venant se retirer ici, dans notre vallée, avait forcément déposé, caché son épée. Et quand j'étais enfant, eh bien, à l'occasion de mes promenades, eh bien, je retournais tous les cailloux pour voir si par hasard, je n'aurais pas le bonheur de tomber sur Joyeuse. Et tu l'as pas trouvé? Non, mais j'ai bon espoir. Dès le printemps, Saint-Guilhem accueille près de 5000 visiteurs par jour. Et l'on comprend que le charme opère si bien au long de son unique rue, entre fraîcheur des passages et couleur des pierres. À présent, j'ai rendez-vous avec mon guide, Olivier, dans l'abbaye de Gélonne. Alors là, on arrive dans l'abbaye. Oui. On va parler doucement parce que lui nous impose un petit peu ça. Voilà. Et alors, ce Guillaume, qui a été un guerrier, qu'est-ce qui fait qu'à un moment dans sa vie, il décide de changer radicalement d'existence et devenir moine? Guillaume, donc, effectivement, hein, c'était un combattant. Il a participé à lutter contre les Sarrasins aux côtés de Charlemagne. Donc, c'est un valeureux combattant. Et puis, fatigué qu'il est par une vie de combat, il décide d'embrasser une vie monastique, hein, et de se retirer dans cette abbaye à l'invitation de son ami d'enfance. Ouais. Sur ces 6 ans ici, on a très peu d'informations réelles. Hein, et là, c'est la légende qui prend le pas sur l'histoire. La légende raconte que c'est
un sage moine, mais que de temps en temps, eh bien, il retombe dans ses travers de guerrier, n'hésitant pas à massacrer ou à assommer ses compagnons, pas avec son épée, puisqu'il n'a plus la plus droit à l'épée, il a renoncé à son épée, mais nous dit-on, avec une cuisse d'âne qu'il arrache pour tuer des assaillants. D'accord, vie monacale, mais quand même encore très actif, Guilhem. Oui. Chasseur naturel, il revient au galop de temps en temps. Et là ? Voilà, et cet hôtel nous rappelle que Guillain a été sanctifié. Au Moyen-Âge, le personnage de Guillain devient un personnage légendaire. En fait, il a été sanctifié et sa vie a été, du coup, montrée en exemple. C'est ça, le principe. Guillain, il va servir de modèle de la chrétienté, même si sa vie n'était pas un modèle de croyance et de dévotion. Mais peu importe, au Moyen-Âge, on va récupérer cette histoire. Et alors, toute cette exemplarité, toute cette communication, c'était pas une façon aussi d'attirer des pèlerins ? Il n'y a pas de calcul derrière tout ça, mais évidemment, c'est intimement lié, puisque cette figure légendaire, dont l'image va se diffuser dans toute l'Europe chrétienne, dans tout l'Occident chrétien, donc des pèlerins venant de quatre coins de l'Occident, se recueillent devant cette relique et prient le saint bienfaiteur Guillaume. Le cloître de l'abbaye n'a été épargné ni par les pillages de la Révolution, ni par la convoitise des collectionneurs. Sa partie supérieure a été détruite et des pans entiers en ont été démontés. Effectivement, il y a des pierres qui composaient ce cloître qui aujourd'hui sont éparpillées, mais alors dans toute la vallée, et même certaines qui ont traversé l'Atlantique et qui sont à New York. Ça paraît complètement dingue, cette histoire. Aux quatre coins du monde, il y a des éléments du cloître qui se sont retrouvés à Montpellier. D'autres ont même traversé l'Atlantique et se retrouvent à New York. C'était principalement les éléments de ces deux galeries qui ont été complètement rasés, dont il ne reste aujourd'hui sur Saint-Guyen plus grand-chose, si ce n'est un petit peu dans le musée. Mais alors, en fait, qu'est-ce qui reste de vie religieuse réellement ici, maintenant, dans ces murs ? La spiritualité, mon frère. On m'a dit que vous avez des sacs et tout. Vous êtes des pèlerins déguisés. Voilà, exactement. Ah, vous êtes en voiture. Donc vous n'êtes pas des vrais pèlerins. Mais si lui, c'est bien le vrai pèlerin. Il y a un pèlerin pour, voilà. pour trois accompagnateurs. Mais on a pris la voiture, on a quand même marché après. Il y a plein de pèlerins différents. Maintenant, ils ont leur portable, ils réservent 3 mois à l'avance, ils demandent s'il y a de l'eau chaude dans les douches. Alors que les vrais pèlerins, ils s'en fichent. Ils mettraient leur matelas par terre dans la cour, ils seraient très heureux. Vous êtes à même la rue et donc, vous voyez, le petit chemin est là, vous allez regarder. C'est chouette, hein? Vous ayez un peu de lumière. Mais non, c'est une blague. C'est le niveau de la rue, c'est pour ça que je laisse fermer. Parce que sinon, vous avez tous les chats qui rentrent. Ah, d'accord. Ouais. Alors, demain matin, vous déposez les clés dans la boîte à lettres. Alors, bonne installation. Merci. Une fois une dame, ça c'est drôle, qui arrive avec un petit sac tout petit. Et puis donc je l'accueille, je l'installe et puis je la revois revenir avec une grosse valise Vuitton à roulettes. Parce que son époux l'a suivie en voiture et elle avait tout dans la voiture. Alors j'étais assez désemparée. Puis finalement il faut accueillir. On ne peut qu'accueillir parce que l'essentiel c'est pas le bout du chemin, c'est le chemin qu'on est en train de faire. Donc la foi elle vient en marchant. Chaque année ici, il y a une grande fête. Le premier dimanche du mois de mai, c'est la fête de la croix. L'occasion de sortir la relique de la croix du Christ de l'abbaye et également de partager ensemble avec les habitants des environs des petits pains en forme de croix. Que tous ceux qui les mangeront soient gardés en bonne santé dans leur âme et dans leur corps. Amen. Ça
ces petits passes sont très importants. Moi, j'en ai toujours un dans mon sac, un dans ma voiture. Ma grand-mère, par exemple, elle en mange toujours un le jour de la fête pour se protéger, pour rester en bonne santé. Donc, c'est quelque chose de très fort. Et voilà, on garde ce petit pain de croix très précieusement et on le renouvelle chaque année. T'en veux combien ? Il m'en faudrait 6, s'il te plaît. Pour ma maman, pour mes amis, enfin, pour ma famille. Il m'en faut un pour chacun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et comme le chiffre parfait, c'est 7. C'est mon chiffre 7. Tu sais pourquoi c'est le chiffre parfait ? Non. Parce que regarde, 4, c'est le chiffre de l'humanité, de l'homme, les 4 points cardinaux, les 4 saisons. 3, c'est le chiffre de Dieu. Donc le chiffre parfait, c'est quand Dieu et l'homme se rencontrent. 4 plus 3, 7, parfait. Et si tu les multiplies, 4 fois 3, 12, la plénitude. C'est encore de l'humain et du divin. On est fait pour Dieu. Pour montrer qu'on est dans le ciel, les moines ont fait cette voûte en cul de four. C'est comme un parapluie, la voûte céleste. Et la voûte céleste, elle est faite de combien d'arcades ? Regarde bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 fermées, le monde est fermé. Et 3 ouvertes, la lumière du ciel qui vient ici. Et ils ont construit comme une coquille vide. Tu vois, c'est une coquille vide ici. Il n'y a rien qui doit être habité par le chant. Tu vois la symbolique. C'est pour ça que j'aime t'entendre chanter, parce que t'as une voix. Non, mais moi, c'est un cadeau pour moi, c'est un cadeau d'habiter mais ici. Mais pour moi, c'est un cadeau de t'entendre chanter. Un petit Ave Maria. Ave Maria, gratia plena. Et bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites avec ce hélico ? C'est fabuleux ce truc. C'est impressionnant, hein ? C'est un hélicoptère avec une caméra embarquée. Et alors là, on découvre le village, qui est quand même très allongé, hein. C'est assez étonnant comme forme. Hein. Et bien, tu vois, le village s'est construit autour de l'abbaye de Gélone. Hein. Le village est tout en longueur parce qu'ils ont été obligés de construire dans le sens de la vallée. Ils n'avaient pas de place, il y a des montagnes tout autour. Donc le village est tout en longueur, avec le petit ruisseau qu'on voit là-haut qui sépare le village en deux, de chaque côté. Si on montait un peu plus haut, je montais voir l'ermite, là, tu verrais le village encore plus fabuleux. Vraiment, tu verrais l'ensemble. C'est loin d'ici ? Non, 3 minutes à pied. On y va ? Tu veux venir ? Viens. Allez, c'est parti. Allez, j'ai trouvé un guide. Alors, tu connais bien la région, ça fait combien de temps que tu habites ici ? Moi, je suis là depuis 1968. Ouais. Et mes arrière-grands-parents étaient d'ici, donc c'est un gars que je connais, quoi. Je l'ai vu beaucoup changer aussi, tu sais. Tes racines sont là, donc. Mes racines sont là, tout à fait, ouais, tout à fait. Et 10 minutes de marche après, soutenu quand même, hein. On arrive avec le panorama. Effectivement, on voit bien le village tout en longueur. Tu vois bien le village tout en longueur là-bas. Il a épousé le fond de la vallée, en fait. Hein. Tout à fait. Alors, cette vallée, toi, tu l'as vu changer beaucoup ? Moi, je l'ai vu changer, oui. Fin 19e, début 20e, c'était carrément le désert. Il faut que tu t'imagines sans un arbre, sans une herbe, rien. C'est-à-dire que toute cette végétation luxuriante, ces arbres, ce vert qu'on a devant nous. Comme quand tu es en plein au milieu du désert. C'était du rocher. Du rocher, les oliviers, c'est tout ce qu'il y avait. 800 habitants, ouais. Tout le monde une chèvre, des lapins. Un âne. Personne ne descendait de la montagne sans un fagot sur les épaules. Il n'y avait plus de bois pour se chauffer, ils arrachaient les racines du sol. Donc les animaux mangeaient toutes les herbes, oui. Les humains ramassaient le bois et les racines, et donc c'était totalement sec. Un désert total. D'où le nom alors, Saint-Guilhem. D'où le nom Saint-Guilhem le désert. Alors moi ce que j'aime beaucoup ici, c'est la poésie qu'il y a dans le nom. Alors il y a Saint-Guilhem le désert bien sûr, mais là la vallée c'est le bout du monde, c'est ça ? Tout à fait. Alors pourquoi le bout du monde ? Parce que la vallée se termine par une falaise infranchissable. Et on ne pouvait pas sortir de la vallée. Et après, ils ont fait un chemin, que tu vois là, tout le long, qui monte, hein, à flanc de montagne. Et au milieu de la falaise, il y a une construction bâtie. Ouais. Et on a la seule solution pour que le chemin de Saint-Jacques de Compostelle puisse sortir par là. Donc les pèlerins ne pouvaient sortir que par là. Ça veut dire que contrairement à ce qu'on peut imaginer,
Il y a encore un chemin après le bout du monde. Il y a encore un chemin après le bout du monde. Tu as vu les chaussures de Parisien que tu nous as mis? Oui, c'est tout ce que j'ai. On dirait le chèvre qui a oublié ses sabots à l'écurie. En plus, il marche sur le romarin. Et il me dit, ça sent bon la garrigue. Je ne sais même pas ce que c'est que le romarin. Tu es bienvenu à Saint-Guilain-des-Verts. Hein. Ça me fait plaisir. Ouais. Ciao. Bonne malade. Ciao. Gérard va rejoindre l'Ermitage à 3 heures de marche par les sentiers pour rendre visite à un ami, Christian. Christian est un prêtre, ermite moderne, qui occupe et restaure l'endroit depuis 3 ans. Christian ! Comment tu vas ? Ah, salut, ça va. Et tu sais, j'ai rien à bouffer. Mais on va le faire. C'est midi et quart. On va préparer quelque chose. Tu m'invites, hein ? Ouais. T'as le pastis ? Oui, il est là-haut. C'est bon, okay. Le principal. Ok. J'ai le soif et j'ai le fait de loup, hein. Je te préviens, hein. Là, c'est l'escalier, il est étroit, hein. Alors, il est à peu près d'origine, c'était comme ça. Puis on arrive ici, il y a un grand couloir qu'on va voir après. Mais d'abord, voilà, ça c'est le lieu de... Ça c'est le lieu de... Là où je dors, là où je prie la nuit avec le Saint-Sacrement, voilà. Je prie toutes les nuits de 2h à 3h30, 4h à peu près. J'estime que je suis dans un lieu et que ce lieu, il me faut le rénover. Parce que quand je suis arrivé, il y avait des gouttières partout. Sincèrement, c'était lugubre. Vraiment lugubre. Je me suis dit, waouh, comment je vais habiter là-dedans? Et d'ailleurs, j'ai passé le premier hiver. Le premier hiver, j'avais pas d'insert. Il y avait juste un feu de bois qui chauffait les oiseaux. Et puis moi devant, derrière, il faisait froid. Et j'avais, vous pouvez demander aux gens qui viennent des villages, la m'aider. Et j'avais 5. 5 partout, là, toute la maison. Quand on a monté l'insert. Ouais, pour le monter, ça peut être des bateaux. On était 6-7, hein. On était on avait 2 gaillards qui ont porté ça, un derrière, un devant, mais il était démonté, il était désossé. Hein. Voilà. 5 degrés quand je suis arrivé dans ta maison. Voilà. Et dis donc, quelle rigolade ce jour-là. Hein. Oui. Mes aliments de base, c'est pâtes. C'est riz, c'est lentilles et c'est semoule. Plus avec ça, j'ai des thon et sardines. Et voilà, un peu d'huile, des fois. Moi, s'il me fallait manger avec ça, je meurs. Hein. Ah, mais moi, je vis. Oui. Même pour quelqu'un qui n'est pas spirituel comme moi, alors, tu arrives là, tu es oui. Obligé d'être... Il y a quelque chose qui te prend au trip. Oui, ça interroge les gens. Le calme, le fait que quelqu'un y habite, moi, on m'interroge beaucoup là-dessus. En me disant, bon, ben, et c'est vous qui êtes là? Ben oui, c'est moi qui suis là. Moi, c'est là où je suis le mieux. Et je suis venu ici avec mes qualités, mes défauts. Voilà. Il n'y a pas, enfin, moi, je crois qu'il n'y a pas de spiritualité sans un regard sur soi véritable. Et à l'inverse, il n'y a pas un regard sur soi véritable qui ne débouche sur quelque chose qui est spirituel, qui est l'ouverture à quelque chose qui, voilà, qui est plus grand que moi, qui me dépasse. Qui, voilà. Merci, je vais la faire. Je suis là pour prier, pour prier pour les gens de Saint-Guilain aussi. Je crois que c'est une présence ici. Moi, c'est comme ça que je le vis. Je pense que pour les gens, même inconsciemment, s'ils n'arrivent pas à le dire, mais je crois qu'il y a une présence, il y a quelque chose qui fait que ben voilà, ce lieu est habité. L'ermite est toujours dans son ermitage. Voilà, elle est redevenue de l'ermitage et l'ermite est toujours bien là-haut. Gérard, la messe est finie, mais je peux pas rester. Pourquoi tu peux pas rester? Parce que on m'a dit que c'était la terre païenne ici et que je dois rester dans le lieu sacré saint des pèlerins. Va poser ton arbre. Non. Assieds-toi avec nous quelques minutes, quand même. Non, mais je peux pas m'asseoir en habit liturgique sur une chaise d'un troquet malfamé. Salut Ferdi. On a parlé des pèlerins avec Gérard. C'est quelque chose qui va durer. On est dans la pérennité du pèlerinage, si je puis dire. J'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que ça progresse. Moi, depuis 10 ans que je suis ici, les chiffres d'accueil sont de plus en plus grands. Il y a de plus en plus de bouquins, de plus en plus de presse sur ce phénomène. Est-ce que vous voudriez faire du pèlerinage, par exemple? Tu voudrais être pèlerin? Bon, ben voilà, déjà, l'avenir est assuré. Moi, je suis trop vieille, 43 ans, c'est fini. Bon, je vais déjeuner en communauté. Salut Gérard. Désolée. Hein. J'ai droit à un baiser, moi aussi. Un baiser aussi, oui. Ouh là là. Vous regardez si. Les enfants. Merci, mon Merci. Au revoir.
Allez, on file, hein. Et les parents, ils sont où? Les chemins de Compostelle recèlent ainsi des lieux comme Saint-Guilhem, où la ferveur religieuse côtoie le cheminement intérieur de ces pèlerins modernes, qui retrouvent ici le silence, l'assurance des pierres et une hospitalité sans âge.